Et rebonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cet épisode sur le donjon des bugs. Alors, on a un combat à faire. Qu'on va se taper ensemble, bien sûr. Ouais, franchement, je me suis dit au début, je vous recorde pas tout. Après, le seul problème que j'ai, c'est que les let's play sont tellement longs à vous mettre en ligne. J'ai une connexion internet de merde ici. Mais c'est pas grave, en vrai. C'est juste qu'une vidéo, je mets 15 heures pour vous la mettre en ligne. Donc voilà. Donc je vais vous mettre ce que je peux en ligne et puis s'il n'y a pas toute la série, j'espère que vous m'en voudrez pas. Dans tous les cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, on remercie, et à vous abonner hein, bien sûr. On remercie vraiment très très fort le studio Artifact et Devilagers. Non, c'est dire Villagers plutôt, qui me permet de jouer au jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Et de vous proposer un petit let's play dessus. Donc il faut qu'on se place, sachant qu'on est contre qui déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est les ouvriers de chantier. Ouais, mais eux ça, c'est une quête secondaire, ça. C'est une quête secondaire, ça, c'est même pas marrant. Ça, on va les éclater. Attendez, on se met là. Oh, par contre, t'es tout seul. Mais lui, il est tout seul, là. Mais on va l'éclater quand il est tout seul, là. On va aller, là. On va tous les grouper, là. Là, je vais faire un saut. Je vais les exploser. Le truc, c'est que je pense qu'il faut que je me fous là. Toi, viens là. Reviens en backup. Ici, je pense. Faut qu'elle vienne. Elle joue quand, elle? Ouais. Ouais. Viens ici. Baston. Allez, c'est parti. C'est qui ça? C'est le barbare. Ah, mais ça, c'est tu. En vrai, je fais 3 pas là. Et là je me fais un saut de type énervé juste là. Oh, je les tue tous. Un critique là s'il te plaît. Presque. Je vais vous renvoyer à la surface en pièces détachées. Ah c'est le nain gilet jaune là. Aïe. Okay. Encore. Frérot, c'est bon, ça va. Point d'attaque. Oh putain, ils attaquent tous en moi. Quel enfer. Promotion. Quel enfer. Attendez. Si je viens là, je peux l'attaquer. Je peux attaquer là. Là, je serai pas assez proche. Je viens là. J'esquive bien sûr. Esquive. Ah non, je peux pas. Quel enfer. Rip. Tant pis. Ah, je suis con, j'avais pas le premier coup là qui mettait plus de dégâts. Je l'ai pas pris. Ah, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Souci, c'est que ici, la poudre explosive, elle va servir à rien. Je peux me mettre en fufu. Non, ça sert à rien. Je peux le bloquer en vrai, c'est déjà ça. Ça passe. Pas sûr. Allez, c'est ensuite. Normalement, je prendrai le buff qu'elle va balancer. Je vais leur montrer ce que valent les nains d'en haut. Je pense que Euclid jouera pas en là-dessus. Je peux lancer de hache, c'est pas mal en vrai. Hé, hache toute neuve. Bam. Viens là. Ouvrier avec moi. Mais ça pique. Ok. On va y aller à la truelle. Raté, bien joué. On va les latter à coups de briques. Aïe yo. Jamais. Ça va saigner. Il est trop lent, lui. En piste. Ok, le ranger est là. Donc en fait, il faut qu'on aille ici. Esquiver. Bien joué, ça. Ranger qui fait des trucs. Très content. C'est pas mal. Oh shit, je me mets là. Je peux me mettre là, c'est parfait.
Après, ce que je peux faire, venir ici. Que je les touche. Voilà. Je les touche 100%. Viens là, tu me fais une flèche rebondissante, t'en tues deux. Bien joué. Ça rebondisse là. Oh, le coup critique à 130. Vous croyez qu'on sait pas se battre ? Les deux, c'est bien ça. Le chantier, ok. Ah, dommage, on peut pas. Après, on peut... On peut se foutre là. Les étourdir. C'est toujours... pour ça. Il n'y en a qu'un seul qui est étourdi, très bien. L'onde d'énergie qui heal Osef. On peut faire ça. Non, je pourrais jamais faire d'autres trucs. On peut faire ça pour jouer plus vite. Prochain tour, c'est déjà ça. On se rapproche. Ça tue. Parfait. Viens là, tu vas foutre un. T'approches pas trop ici. Près. Si elle fout une zone à droite, la magicienne là, elle joue dans pas longtemps en plus, c'est parfait. Please. Ah ouais, la magicienne elle s'approche, elle fout une zone là, là, Osef. Vous allez souffrir, Sulfacien. Voilà, parfait. Une pierre par oreille que vous ramenez. Buveur d'eau croupie. Ok, je suis taunt. Tac, venir ici. Problème. Problème. Un coup d'arbalète. Hein. Pour ça. Ah, vie bourgeois. Allez, ça dégage. Ah, c'est bon, on est en train de les. Ils étaient plus nombreux, mais on est en train d'en faire de la chair à pâté. Ça, c'est cool. Une attaque d'opportunité si je fais ça. Je peux tenter l'étourdissement. Parfait. Ça passe. Le reste là, ça devrait passer. Viens là, tu me fais un beau lancer de nain. STP. Parfait. Pic. Ouais. En vrai, ça tue. Hein. Bam. Aller plus loin, ça m'emmerde un peu. Ça pique. En allié, je fais des dégâts de zone autour de lui. Non, le ranger, on va. Ah mais non, ça touche le putain, ça touche le voleur. Et je me rapproche jusqu'à là. Que je fais ça. La zone de soin. Je peux heal lui, mais je peux pas heal l'autre. Le soin lointain, je peux heal ceux que je peux pas heal, quoi. Un Euclid. Non, c'est pas grave, vas-y, je touche... touche le ranger. Ça se passe bien. Est-ce que j'ai assez de zones? Je crois pas. C'est pas touché, ouais. C'est le problème. Ils sont encore plus vilains que le nôtre. Piropiaf. 5 piaf. Déjà ça. 72 zones, ça me va. Le barbare, il joue dans longtemps.
Il a 2 HP. Bah, il meurt au prochain tour, lui, on s'en fout un peu. Hein. En soi. Je heal lui. Bon. Vas-y, heal-moi le, s'il te plaît. Parfait, il rejoue derrière en plus, c'est parfait ça. Même pas mal. Il fait chaud ici. Attendez, normalement ça passe le 3 coups. Passe. Parfait. Je viens ici ou pas? Je pense que je viens là. Le nain il est serré. Ouais mais... Comment ça j'ai regagné un tour? Je vais vous éclater. Ah oui, j'ai joué mes 2 tours d'affilée en fait, c'est ça le truc. Ah voilà. Bien joué ça. Tu m'attrapes pas, nanana. Bien joué. Skip s'il te plaît, l'elfe. Hop, c'est une femme. L'elfe est trop forte. Oui, bon, on peut venir ici et puis on passe derrière lui. Lui il est mis. Attends, c'est qui joue après? C'est lui? Lui il meurt par le feu. Le ranger il joue après donc ça devrait être bon. Donc, en fait, il vaut mieux qu'on passe derrière lui. On se motive à lui mettre 3 coups critiques. Dévoyez! Bam! D'où? Je l'ai dit, hein, je l'ai pré-shot. Ah oui, par contre ça fait chier. Allez, meurs. Ah, il reste 3 HP. Shit. Je me place là pour le tour d'après. Bonjour, bonjour. Bon, l'ogre, lui, meurt, donc on s'en fout. Lui ou je tue l'autre? Je tue lui, mais l'autre a pas joué en fait, donc ça fait chier. J'aurais dû tuer l'autre. Après, s'il passe par là, il se prend une attaque d'opportunité en soi. J'ai une potion? Ouais, va la donner à l'œuf, ça va. Il se disait rien. Bleh, ça a pas bon goût les potions. Non. Ok, lui meurt. Malus de moins 40, mais en vrai ça passe, je pense, large. Voilà, parfait, 209. Fin du tour. Allez, on se fait un petit heal de zone, là. Ici. Et on se positionne là pour pas prendre les dégâts de gros sac, là. C'est lui qui joue après. Je pense qu'on peut le tuer. Hein. En large. Parfait. Aïe, je crame. Viens mettre tes dégâts ici. Ah, je prends la attaque d'opportunité. Je prends rien du tout. Allez, ciao. Monde de merde. Monde de merde, en effet. Aïe. On court à l'infini.
Non mais je suis trop con. Je voulais l'auto-attaque dans le dos. Je suis un abruti. Eh ben... Dégage, t'es sur mon chemin. Oh, je suis trop con. Justice. Bien joué, ça. Je prépare la riposte. Ouais, tape. Dommage qu'elle mette pas d'affliction l'elfe en même temps, parce qu'en vrai ça pourrait être tellement fort. J'ai plus de zone de masse hein, moi donc. On y va tranquillou bilou. Allez. Il bouge pas. Rip. Vas-y, on va heal. Nous, on est là pour heal, de toute façon. C'est notre seul objectif, là. C'est heal, même si en vrai, ça change pas grand-chose. On ira se soigner après. Je crois qu'en vrai, est-ce qu'on aura vraiment besoin de se soigner après? Je suis pas sûr. Non, on va pas sauter. On va juste se rendre là. Hop. Se faire hein. Chrome, réponds à ma prière. Ah, il est empoisonné. Oh là 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 là. C'est ça que je voulais faire en fait, mais bon, c'est pas grave. Hop là. Le nord passe le tour. Même pas mal. Allez, file-le tranquillement. À toutes. Aïe. Le poison s'instille. De l'aide. Vite. Balapam. Gagne un niveau. Le barbare gagne un niveau. L'ogre gagne un niveau. L'elfe gagne un niveau. Le ranger gagne un niveau. La prêtresse gagne un niveau. L'agent X gagne un niveau. Quel plaisir. Ce bruit là, quel plaisir. Ok. Pitié ! Ah ! Ne frappez plus s'il vous plaît, assez ! Eh ben nous on est comme ça, on frappe jusqu'à ce que ça s'ouvre. Bon, on va vous laisser en vie, mais vous allez refaire ces portes et fissa. Tout ce que vous voudrez. Pitié. Et pas avec de la ferraille au rabais. Et avec de jolis bois de récupération. Et des serrures correctes, qui rapportent des points d'expérience en étant crochetées. Très bien, très bien. Je le note. Allez, venez les gars. Au boulot. Aïe. 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 Eh ben, si on règle toutes les factures comme ça, c'est un peu fatigant. Ouais, c'est très chiant. Mais on fait des économies. On peut espérer avoir des portes correctes, dignes de ma direction architecturationnelle. Tu ne crois pas que tu es un peu trop impliqué? Ah mais d'un côté faut qu'on soit impliqué sinon c'est l'enfer. Trouvez Vince, alors le mec qui est bourré là. On va aller juste le faire, vite fait. Il était vers où? Rome n'a pas besoin de carte. Attendez. Ça c'est le mec qui nettoie. Traces de vomi elles sont où? Ah, traces de vomi, elles sont plus haut. Là, c'est la porte qui amène en dehors, là, mais ça nous intéresse pas. Elles sont là, les traces de vomi. Ah, Vin sont là. Hé, hey, c'est vous, Vince, le maître des clés? Hein? Et je suis pas le traître des blés, moi. Et j'ai rien vendu comme farine. Et j'ai un panasse reboive. Et poulet, poulet. Et poulet, poulet, piou, piou. Je vois le problème. Oh la vache. C'est Oh waouh. Vous faites ça comment? C'est super. Je vais pouvoir me reprendre une cuite aussi. Insupportable. Attention, hein, ce sort dissipe les effets de la gueule de bois, mais l'alcool continue de détruire votre foie. Insupportable. Monseigneur l'architecte, mais je vous avais pas reconnu dans cette tenue. Du coup, il te prenait pour un ramasseur de poules. Attendez, la crypte, mais surtout pas, malheureux. C'est infesté de fantômes et de nécromanciens.
J'ai eu la trouille de ma vie. C'est pour ça que j'ai... Enfin, vous voyez, le vin, ça rassure. Ouais, et après, ça biture. Mais vous l'avez la clé, oui ou non? Parce qu'il me la faut, et tout de suite. Bah, oui, bien entendu. Attendez. Alors, ça, c'est la clé des chiottes. Ici, la clé de la réserve de chauffure. Insupportable, il ne pas l'avoir. La clé de la grille du tas de fumier. On sent une vraie logique humaine dans la pose des serrures. Ah, voilà. La clé avec le crâne et les deux os croisés, c'est ça. Vous êtes certain? Donnez ça tout de suite. Comme vous voulez. Je vais en profiter pour fêter ça avec un bon coup de pif. Eh ben, vraiment une bande de broquignoles dans ce donjon. Retournez voir Vergazar. On va y aller. Et by the way, il n'y a pas des pièges là qu'il faut pas que je prenne. On est où? Là-haut. Je me dirais s'il y a des pièges. Faut se reposer vite fait, 400 d'or, c'est pas grand chose. C'est qui à la taverne là du coup? C'est Vince. Alors, ça ne s'arrange pas. Si vous pourriez danser autre... Certainement pas. Je ne... Derrière. Ça me fait rire. Un bon plan, c'est important. Même si on le change en cours de route. On retourne voir Vergazar. Et après, on descendra dans les sous-sols, je pense. Ce sera plus sympa. Eh ben. Du coup, attendez, parce que là, il y a des pièges, c'est sûr. Je sais plus où. Oui, mais la flemme de passer tout seul le truc avec le... Et c'est là. Par là, il y a un piège. Je sais. Nous devons faire un rapport à la guilde des gardes, vigiles et videurs. Il y en avait un qui était ouvert. C'est dans nos règlements. S'il y a des morts violentes suite à un combat, nos cotisations vont augmenter. Il me dit rien d'intéressant. Ça, est-ce que je peux pas le désactiver? 50% de chance. Parfait. Merci. Alors. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Alors, on va voir les deux abritos là-haut. Un piège, je le note. Quel enfer. Du coup, là, il va se réactiver après. Quel enfer. J'oublie à chaque fois ce piège. D'un côté, c'est sûr. On sauvegarde? Bonne idée, ça. Cala miam miam. Sauvegarder. On va porter des bonbons. Parti pour la route. Continuons. C'est bon, j'ai la clé. Parfait. Procédons à l'évaluation. Venez. Mortels qui venez de loin pour nous accabler de l'acier vengeur, tremblez pour votre heure dernière, car la mort c'est... N'importe quoi. Pourquoi les fantômes, il faut toujours qu'ils se la racontent. Il va encore nous dire que ce tombeau sera notre tombeau. Pfff, toujours pareil. Alors, déjà, nous ne sommes pas des fantômes, c'est réducteur, discriminant et raciste. Nous sommes des êtres incorporels non vivants en situation de malédiction. Ils sont binaires, c'est pour ça. Ouais, des fantômes, quoi. Attendez, cette crypte est déjà en exploitation? C'est totalement irrégulier. En quoi c'est un problème? Qu'est-ce que vous croyez? Que la mort est une plaisanterie? Seules des âmes maudites accréditées par la guilde des nécromanciens sont tolérées. Je vais vous plomber une amende dont vous vous souviendrez par-delà le cercueil. Et là, on se calme. On va rien payer du tout pour des fantômes moisis. Et voilà, toujours ces sales nécromanciens qui se croient tout permis avec les âmes en peine. Nous, on errait sur la lande, perdus et désespérés. On avise un beau petit tombeau bien peinard. Des fantômes squatteurs. Pas du tout. Nous occupons des cryptes laissées à l'abandon par leurs propriétaires. Vous avez une idée du nombre de fantômes mal logés qui hantent à la rue? C'est un J'aime bien la critique. Dont on ne parle jamais. La critique sociale Mais est belle. On va en mettre, nous, des fantômes dans la crypte. Du coup, c'est quoi le problème? On peut pas s'arranger, ils sont bien ceux-là.
S'il reste, je pars. Et jamais la guilde des nécromanciens n'accréditera votre crypte. La caisse des donjons ne la prendra pas en compte et le lieu ne donnera droit à aucun point d'expérience. Attendez, tant que le lieu n'est pas examiné par votre guilde, ces fantômes comptent comme une rencontre aléatoire et rapportent des points d'expérience, non ? Oui, peut-être. Ce n'est pas mon problème. Dans ce cas, on va leur faire la peau et au moins on aura l'expérience pour nous. Mais les fantômes, ça a pas de peau. Les vivants, toujours à nous discriminer, à nous invisibiliser, toujours à nous donner leur point de vue viviste et non mort. Assez, c'est assez. Nous ne sommes pas des jouets, mais des êtres sensibles. Ha ! Le barbare va vous montrer sa sensibilité. À l'assaut ! Bon bah combat. Baston. En vrai, l'épisode sera peut-être moins long, je vais faire ce combat et puis après... Allez. Archer, abattrier. J'en ai un seul là. On peut se foutre là. Imagine ici. Allez. J'organise tout ça. Baston. On a deux derrière, mais c'est pas un problème en soi. Bonsoir, on peut faire ça là. Pas dramatique. On fait du 150, ça me bat. Aïe, yo ! Ouah, ça poutre ! Lui est mort. Plus d'attaque. Ça peut-être mieux. Et ici. On tout jouer après le nom. Allez, ça dégage. Quoi ? C'est inutile. Même pas mal. C'est le truc de Dulule, ça j'avais pas vu. Il dort. Ah non, il dort pas. Non, c'est des fantômes, ils dorment pas. Très chiant. Ici. Fais ça comme ça. Flèche qui rebondit. Ah si, c'est dans ce sens-là, je pense. T'approches pas trop près. Allez, ça dégage. À moi, vermine. Les archers se mettent à côté. C'est parti. Aïe. Très très chiant. Numéro thermodante, ça vous aidera pour après. Il est mort. Non, pas encore. Attendez. Je pense que le mieux c'est de faire ça. Galadurakshavo. Et tant pis si je lis pas l'autre. Attendez, je regarde un truc. Je peux peut-être le heal avec la magicienne aussi. Hein. Oh, je peux aussi faire ça. Faire ça et ça tue 100%. Voilà, ça fait mal quoi.
Rip. Alors. Petit coup de bouclier pour étourdir ici, je pense. Oh non, j'aurais dû peut-être aller. Ouais, mais je peux pas. J'aime pas trop les rats. C'est pas mignon et ça sent comme le nain. Plus baston. C'est pas grave s'il meurt en soi. Il a voulu bouger. Les trois sont invisibles. Mais en soi, peut-être immobiliser celle-ci. Ça sent pas mal. N'est qu'une égratignure. Ça meurt. Même pas. Bien lui lâcher. J'aurais dû donner ma potion. Ah, c'est une savonnette. Bien joué. C'est arrivé derrière pour choper mes backlanes. Je toucherai pas. Oh, le tir lointain, je vais pas l'avoir. Renversé, normalement. Bien joué. Je vois du pâté. Ça c'est terminé, il reste celui-ci et l'autre de l'autre côté et puis c'est bon. Ah, vigilance, très chiant. Baston. J'aurais pas. On peut quand même heal les deux là. C'est clairement pas perdu. Celle qui est. Bah, ciao. Toga, voilà. Les stuns, on jouait ça, on se casse. Hop, bien joué ça. Il y en a un petit barbare. On fait un 3 Je coups sens ici. Une odeur de plèbe s'approcher. Allez, ça dégage, 18 HP. Dégoûté. Dégoûté parce que j'ai pas prévu de me taper ça, n'est-ce pas? Tant pis. Les stuns, il joue pas. Après, non, on aura pas l'opportunité de le tuer. Ça dégage. Je viens au cac ici. Histoire d'emmerder le monde. Bien joué. Face aux lances sont renversées, les gars. Oui. Je fais un gros. On va les endormir. Ah, je lance la bouche. Qui est pas mal. Hé, ma hache toute neuve. Hé. Log va la finir après. Après, il pourrait se retourner sur les autres.
Et après, ce sera fini. Ok. Je peux effrayer, donc c'est déjà ça. Et là, pas si vite! Je vais venir sur l'œuf, le dos. Oh, l'ogre, parfait. Et bah, et s'ils sont tous autour de l'ogre, moi ça me vend. Dommage. C'est chiant, en effet. Ouais. Oh, attends. Ça tue. L'objectif c'est de tuer au maximum là déjà. Glurg. Glurg, allez, c'est fini. On vient ici. Soit on fait un you, soit on fait ça. Parfait. J'étrange tendon sur. Gala du Rakshavo! Magicienne. Tabasse-moi ça, là, qu'elle finisse par crever. Pousse-toi, ma magie! Viens au cac de ça. Alors, elle va pouvoir juste passer son tour ou prendre double attaque d'opportunité. Et le, lui, il en met pas. Inutilisé. Non! Ah! Ça va être long, tant pis. Pourquoi l'attaque déjà, c'est quelle zone? Ouais, c'est... Attendez. Mais si, c'est bon. Je me mets là, ça attaque derrière. Chrome, réponds à ma prière. Ok. Avant de tuer les zombies, peut-être tuer eux, je sais pas. Je sais pas qui tuer d'abord en fait. D'un côté peut-être. Salut. Si ça peut être bien. Une potion aurait peut-être été mieux en vrai. La poudre explosive qui peut être pas mal au niveau du poison. En soi, le mieux c'est de les tuer. D'essayer en tout cas de les tuer au maximum. Plus vite. Hop. Dégage, t'es sur mon chemin! J'aurais pu faire un truc. Oh mais please. Vache. Ça passe pas. Une belle brochette normalement. Les belles couleurs! En avant la magie! Attention! Oh shit. Splendor? Ouais, ça va. Ça? Pas le séisme? Que je veux faire. Ça, je les ai tournés en vrai. Passe. À moi! À moi! Il se bouge. Ah non! Ça va qu'elle nous gèle pas. Il se bouge. Je me fous là. Je laisse se démerder à droite. Non ! L'enfer.
Bise, gel. Crélipo. Ah, profitez-les dans le fallon. Je l'aurai pas. Écoutez. Oh shit, ok. J'aurais dû faire une zone du coup. Oui. Tu. Oh. 105, ça me va. Là, je me lance une zone de glace après avec la magicienne, donc ça me va aussi. Ok. Et furtif. J'esquive et je prépare la riposte. Bien wesh. Allez, please pass. Mana. Pas perdu déjà. Ils sont loin à tuer eux, hein. Renversé, ok. Je viens ici, là je la bloque. Hop, on va se faire un petit Euclid ici. Pour aider de ce côté. Ouais, je peux pas. Enfin, j'en trouve deux. Mais... dommage. Puis le barbare. C'est ça. Celle qui va me faire une belle zone à la fraîche. Dès qu'on le gèle vraiment. Ah, tac, je viens me mettre un petit coup de pêche là. Mets-moi celle-ci. Bam, ça dégage. Barbare. Viens sauter. Sauter là, viens le finir. Allez, c'est bon. On est presque. Dans ta face. Parfait. Il en reste 3. Balance ça. Première attaque d'opportunité esquivée. Le nain qui a pas de hache, mais on se arbalète. Bam. Tour. Effrayé, fait chier. Ah, bonsoir. On va le terminer, mais avant, terminer celle-ci. Oh, les échecs, vraiment. Cette flèche était tordue. Vraiment des échecs de ouf. Bien joué. Ah, dis-moi que je la stun. Parfait. Ah non, on va me déplacer. C'est bien. Papa là, papa. Allez, ça tue. Cardu Cosio. Pas en vrai. Kaed Cardu. Tellement rien. Il manque tellement rien à les tuer là. Tue-le, pardon. Parfait.
points de tour. Barbare, ça sert à rien. Merci. Critique, parfait. Terminé. Ciao! On a récupéré notre crypte. On va voir la fin du dialogue. Crème de smooth. Ouais. On verra plus tard pour les items. T'en as déjà 330. Oh, les items, j'ai oublié que c'était la merde à ce point. Parfait. Les spectres ont été bannis. Nous allons procéder à l'évaluation. Ah, super! Et ce sera long? Non, pas plus de 30 ou 40 ans. De quoi? C'est une blague? Je vous l'ai dit, le temps ne compte pas vraiment pour nous. C'est plutôt courant comme délai avec les nécromanciens. Mais en attendant, vous pouvez délivrer une autorisation temporaire d'exploitation, n'est-ce pas? Je vois que vous connaissez bien ces sujets. Oui, en effet, voici. Parfait! Et maintenant, fichons le camp! À un de ces jours, d'une façon ou d'une autre... Ah, la voix est super sexy, hein, de Vorgazar. Attendez, je parle à Vorgazar encore. Je peux plus parler avec lui? Non, il nous fait sortir de la crypte. Bon, bah, YouTube, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce petit épisode vous a plu. On a récupéré notre crypte et on s'est battu contre les artisans. Donc c'était un épisode très sympathique. Donc, attention, vous risquez de marcher dessus. Marcher sur quoi? Elle nous l'a déjà dit, elle cherche des fourmis zébrées des collines. Forcément, dès que c'est à cause d'une connerie de bestiole, ça t'intéresse. Moi, au moins, je connais d'autres insectes que les puces qui vivent dans les barbes. Non, en fait, je suis maintenant à la recherche du grand scarabée mordoré du frêne rouge. L'entomologie est une discipline que certains trouvent passionnante. Certains. Je suis entomagicienne. Je pratique la sorcellerie à l'aide d'insectes rares et dotée de pouvoirs arcaniques. Encore plus moisi que d'habitude. Un mélange de trucs nazes de magie et de trucs nazes d'elfes. T'y connais rien, bousier à barbe? C'est original en tout cas. Et vous avez des sorts puissants? Je peux appeler sur mes ennemis des hordes de fourmis rouges ou des essaims. Ah ouais. De... Ah oui, c'est... Bon, on va vous laisser. On voit des papillons, hein. Quoi. Ok. Attention, vous risquez de marcher dessus. Ok. Bon, YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. On se fait une nouvelle scène crypte. Voilà, comme ça, au moins, une nouvelle save intéressante. À la prochaine pour les aventures. C'était Malicus. Prenez soin de vous. Ciao.